Namasté, bonjour. Voilà, aujourd'hui nous allons préparer le soja vert ou mungo. Voilà, la recette est simple. Haribhai va commencer, notre chef cuisinier venu de Rajasthan. Haribhai. Namasté. Un tout petit peu de curcuma. Ça, c'est de l'ail. Tout à l'heure, c'était du cumin, pas curcuma, vous m'excusez. Voilà. Et c'est maintenant, c'est du curcuma. Alors, vous voyez les fumées qui sortent, sont très importantes. Nous allons ajouter des soja verts. Ça a été déjà pré-cuit avec un tout petit peu de sel, un petit peu de gingembre et après. Alors, mungo, dans la langue gujarati, mug, est très important parce que cela nous donne de l'énergie. Un petit déjeuner, d'une façon classique, en Occident, est sucré. Mais l'Ayurveda nous conseille que ça soit salé. Et surtout pas de sucre, parce que le sucre, dès le matin, ça va augmenter vos problèmes du diabétisme, parce que on n'est pas préparé pour recevoir du sucre le matin. Si vous voulez, il faut que ça soit du sucre lent. D'autre part, la nécessité de protéines est nécessaire. Et c'est pourquoi, dès le matin, on prend protéines très simples, très digestes, comme mungo, comme mug, comme soja vert. On va laisser ce soja vert avec toujours, vous avez vu, d'abord on a mis du cumin, après on a mis un tout petit peu d'ail, vous voyez, après on avait mis un tout petit peu de curcuma, et puis ça c'est bien sûr un tout petit peu de coriandre frais. Très souvent on aime que ça soit un peu piquant, alors on prend de piment comme ça, mais pour que ça ne soit pas trop piquant, on va simplement mettre un morceau tout entier qu'on pourrait enlever après. Et voilà, c'est un plat qui est rapide et qui est délicieux, vous allez voir. Haribhai, s'il vous plaît. Alors, soja vert est quelque chose que nous mangeons au petit déjeuner. Nous pouvons manger aussi au déjeuner, ainsi qu'on pourrait manger même pendant le dîner. On pourrait aussi faire une cure de monodiète simplement avec soja vert. Vous allez voir que ça, c'est un plat délicieux. Et dès le matin, si vous prenez ça, vous n'avez presque besoin de prendre rien du tout. Ah oui. Alors, il faut ajouter un petit peu de jus de citron juste avant de vous servir, parce que citron veut dire vitamine C. Si vous ajoutez dans la chaleur ou quand c'est sur le feu, on a vitamine C qui disparaît. Et on a besoin de vitamine C tous les jours, quel que soit, même si un jour vous avez mangé 16 oranges, ne pensez pas que c'est bon pour la semaine. Non, tous les jours, un tout petit peu, et c'est pourquoi on a ajouté du citron. Et tout à l'heure, je vous ai dit des oranges, mais les oranges sont acides, alors que le citron n'a pas d'effet acide sur le corps. On va servir et le pH de votre corps, ça sera équilibré aussi
grâce à Haribai. Je vous laisse goûter vous-même votre propre plat. Et je vais aussi me servir un tout petit peu pour voir. Voilà, bon appétit. C'est délicieux. Et c'est digeste. Je vous conseille ce petit plat tous les matins et vous allez voir que la journée sera merveilleuse. Ça sera ensoleillé à l'extérieur, mais surtout, ça sera ensoleillé à l'intérieur. Et j'ai oublié de vous dire, tout à l'heure, il y avait des fumées qui sortaient de la casserole. En réalité, ces fumées, à partir de la cuisine, devaient faire tout un chemin des couloirs. Et les autres membres de la famille devaient sentir le parfum de ça. Et avec ce parfum, ils ont l'appétit, même s'ils sont encore dans leur lit ou même s'ils sont en train de regarder un feuilleton bidon à la télé, ils ont envie de tout quitter pour venir manger ça. Bienvenue, bon appétit.